elle est dit. Elle est vraiment quelqu'un qui parcourt le monde en donnant des conférences d'un colloque à l'autre, d'une conférence à l'autre. Là, elle revient de Montréal et elle va repartir en Algérie. D'ailleurs, Montréal en passant par Grenade. Donc partout, elle milite pour la cause des femmes. Et elle a d'ailleurs été chargée des droits des femmes à l'UNESCO pendant, je crois, une dizaine ou quinzaine d'années. Elle est aussi avocate, elle a été avocate à Alger, donc droits des femmes à l'UNESCO à Paris. Donc c'est une femme qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, nous allons parler quelle est la place des femmes dans les révolutions arabes. Je vais commencer par deux anecdotes qui ne manquent pas d'intérêt. D'abord, je vais vous lire le message que je reçois à l'instant de Tunis. Ce texte, je le reçois d'une écrivaine tunisienne, mais elle me dit « J'ai eu un grand moment de découragement et j'ai renoncé à tout effort. Je ne te cache pas que le coup du sixième calife m'a secoué sérieusement. » Pour ceux qui savent que le sixième calife, c'est le futur premier ministre, qui est le secrétaire général de El Nahda, qui a dit qu'il était le sixième calife. M'a secoué sérieusement. Je ne reconnais plus mon pays avec ses barbus, ses femmes en niqab, ses petites filles emprisonnées dans leur hijab, ses imams illuminés, ses étudiants ignorants et ses dirigeants versatiles. Mais la qualité de certains débats, la mobilisation de la société civile me rassure parfois et je me dis tout n'est pas perdu. Même s'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est une révolution? Alors, d'abord, il faut savoir qu'une révolution, ce n'est pas toujours positif dans un premier temps. Ça change, ça bouleverse un système, mais en général, quand on parle de révolution, c'est au nom de principes supérieurs à ce système, n'est-ce pas? Il faut dire que quand on dit révolution, on dit la Révolution française, et que la Révolution française, elle a aboli un système pour en instaurer un avec des principes supérieurs. Vous savez, quand on parle de printemps, on parle d'automne maintenant, hein, pour parler d'un comme un glas, hein, c'est la fin des feuilles vertes, c'est la fin des arbres. Moi, je parlerais plutôt de dégel, d'un dégel. Enfin, c'est-à-dire que le printemps est toujours suivi d'un dégel. Et plus cette image est d'autant plus forte que nous sortons de 50 ans de période de glaciation. C'est-à-dire que les régimes en place dans tous les pays arabes, alors arabes j'aime pas beaucoup, mais on va garder ce mot parce que c'est plus facile, hein, dans tous les pays arabes, les indépendances ont été suivies de régimes autoritaires. Aujourd'hui, nous assistons à un dégel de cette glaciation qui avait été organisée par des pouvoirs qui ont pris le pouvoir aux indépendances et qui sont, sans vouloir trop simplifier, ils sont surtout des militaires. Cet effondrement moral, intellectuel, politique, est sans doute beaucoup plus sensible dans un pays comme l'Algérie, qui très vite, grâce au pétrole, se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'utiliser les Algériens comme matière première, alors que les régimes marocains et les régimes tunisiens savent très bien qu'ils ne peuvent développer, asseoir leur pouvoir et assurer les budgets nécessaires à la police, à l'armée et surtout à la corruption, qui va être le moyen de ces politiques de ces pays, et qui a besoin des Tunisiens ou des Marocains pour faire marcher la machine, n'est-ce pas? Alors qu'en Algérie, on n'a pas besoin des Algériens pour faire marcher la machine. On a le pétrole. Hein. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en Algérie, on peut dire qu'il n'y a pas de culture du travail, 50 ans après l'indépendance. Le dégel, c'est des plaques entières de pays, de ces pays-là, de ces problèmes-là, de ces
cette idéologie-là, ces dogmatismes qui sont en train de se détacher de la montagne pour descendre là où c'est normal, on suit le chemin, si vous voulez, pour aller vers la mer et pour se jeter dans la mer. Alors, peut-être que c'est encore un peu d'espoir, parce que quand vous dites dégel, tout de suite après, il y a la renaissance de la nature, et les terres sont d'autant plus riches qu'elles ont été protégées par la neige. C'est encore peut-être une marque d'espoir. Oui, c'est une révolution. La question est de savoir s'il fallait la faire, n'est-ce pas ? Mais en même temps, vous savez bien que les révolutions, on ne peut pas prendre la décision de la faire. Et surtout la décision de ne pas la faire. Il n'y a pas eu cette rencontre magique entre la société civile et cette étincelle qui venait en Tunisie du sud de la Tunisie d'un jeune homme qui s'est immolé. Ça a provoqué un soulèvement populaire, n'est-ce pas ? Et que ce soulèvement populaire, il a été rejoint par la société civile. J'aime bien, si vous voulez, distinguer des séquences. La première séquence, c'est la révolte populaire. C'est une révolte, n'est-ce pas ? Ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, elle est magique parce qu'elle va tout déterminer, c'est la rencontre entre la révolte populaire et la société civile tunisienne, qui est dans la résistance depuis, même avant Ben Ali. Donc, la deuxième séquence, c'est la jonction entre cette révolution populaire et la société civile tunisienne qui a résisté. La troisième séquence, c'est celle qui nous marque le plus, évidemment, c'est l'arrivée au devant de la scène, je dirais, au devant de la scène, des islamistes. Des islamistes. Et ça a été une surprise. Ça a été une surprise. Je crois qu'il y a eu deux grandes surprises à la deuxième séquence, dès la deuxième séquence. C'était la découverte de la Tunisie comme pays pauvre. Et la deuxième découverte à Tunis, ça a été l'imprégnation religieuse. Si l'on passe par la règle religieuse, on accepte une soumission qui est la soumission à la loi religieuse. Et que la loi religieuse, elle soumet aussi bien les hommes et les femmes, n'est-ce pas ? Et qu'on ne peut pas parler de démocratie et de liberté si on reste dans le cadre de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un travail pédagogique à travers la religion. Je pense qu'on peut être aujourd'hui démocrate, féministe, libertaire, arabe, tunisien, marocain, algérien, égyptien, et être musulman aussi, n'est-ce pas ? On peut être croyant et féministe, n'est-ce pas ? Si vous prenez la religion comme source de droit, alors vous ne pouvez pas être féministe, vous ne pouvez pas être égalitaire, parce que toutes les religions sont inégales et sont inégales vis-à-vis des femmes. Mais il y a aujourd'hui une quatrième séquence de la religion, de la révolution tunisienne. Je garde toujours le mot révolution. C'est l'apparition, au fond, le retour sur le devant de la scène d'une jeunesse qui est déterminée à défendre, la révolution. Et c'est une jeunesse qui ne représente peut-être pas le nombre impressionnant des islamistes qu'on voit sur les places, mais qui a une qualité d'intervention, comme me disait mon ami Rabat, qui m'a envoyé ce message que je viens de vous lire. Aujourd'hui, il y a une qualité des débats en Tunisie qui laisse de l'espoir. Ces régimes n'étaient pas du tout laïcs et qu'ils ont entretenu la religiosité et l'islamisation de ces peuples parce qu'il y a eu un partage secret. Quand je dis secret, ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis d'accord, hein. Je dis un pacte non dit, un pacte encore plus pernicieux que s'il avait été écrit sur un papier. C'est-à-dire, on vous donne la société et on garde le pouvoir. Vous voulez les femmes, on vous donne les femmes. Vous voulez l'école, on vous donne l'école. Vous voulez la famille, on vous donne la famille. Vous voulez la culture, on vous donne la culture. Vous voulez les mosquées, on vous donne les mosquées. Vous nous laissez le pouvoir. C'est ça qui a été joué pendant 50 ans entre Moubarak, Ben Ali, Bouteflika et tous les hommes politiques avec la religion. C'est ça qui a été joué. Et c'est ce qu'on est en train de payer maintenant. La vraie constitution tunisienne, c'est le code de la famille et c'est les femmes.
Et si, je pense, Nada ne pourra pas toucher le code de la famille. Mais il va faire quelque chose de pire, c'est-à-dire qu'il va le vider de son sens. C'est un vrai enjeu, la charia. En Algérie, non, puisqu'on a la charia. En Égypte, il y a la charia. Et en Libye, il y a la charia. C'était pas la peine d'être effrayé quand on dit on va appliquer la charia, elle y est. En Libye, en Algérie, au Maroc, c'est la charia qu'est-ce que c'est que la charia? Ben la charia, c'est surtout la règle religieuse dans la famille. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant, pas 10 ans, 15 ans, mais 20 ans à l'UNESCO. Je connais bien, je sais très bien que la question des femmes, les Occidentaux ne feront pas des guerres pour les femmes. C'est pas vrai. Quand on me dit que les Américains, ils ont été en Afghanistan pour les femmes, c'est ridicule. Moi, je les vois aux Nations Unies, ils n'ont pas besoin de faire la guerre, mais ils ne prennent pas la défense des femmes. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la chrétienté et l'islam? Non. Historiquement, non. Parce que la chrétienté a connu ses révolutions. Et elle est contenue dans des régimes laïques où la loi civile a primauté sur la loi religieuse. Or, dans nos pays, il n'y a pas eu de révolution laïque. Et en plus de cela, si vous voulez, c'est la loi religieuse qui s'applique partout. Je vous dis, c'est la charia qui est partout, sauf en Tunisie, n'est-ce pas? La démocratie, comme l'universalité, c'est pour ça que je suis universaliste et démocrate, porte en leur sein l'autocritique, leur autocritique. La force d'un régime démocrate, c'est son autocritique. Alors que le fondamentalisme porte en son sein sa radicalisation, comme dans tous les régimes fascistes. Il faut aujourd'hui dire, et on peut en discuter là-dessus, que le seul espoir, c'est pas pour les femmes seulement, hein, le seul espoir de cohésion sociale, le seul espoir de paix sociale, la seule manière d'aller au-devant de guerre civile, comme nous avons été nous en Algérie à la guerre civile, c'est la laïcité. Et que la laïcité, ce n'est pas un débat secondaire dans ces pays-là, ça doit être le débat premier. Et qu'il faut regretter que la classe politique tunisienne, ça a été ma troisième surprise, n'ait pas osé faire un débat public sur la laïcité de peur de perdre les électeurs. Et c'est comme ça qu'en Tunisie, il n'y a pas eu de débat sur la laïcité, et ça a été sans doute le vrai échec de la révolution, c'est qu'on n'ait pas eu le courage d'instaurer un débat sur la laïcité à la suite de sa révolution. Merci. Est-ce que tu ne penses pas qu'un des garants les plus importants de la démocratie en Tunisie, c'est précisément les femmes? Est-ce qu'à Tunis, c'est vrai, on a vu les jeunes manifester, donc ils ont peut-être accès à Internet et ils ont pu aussi se documenter, ils peuvent être éduqués, mais est-ce que dans les campagnes, en raison de cette grande pauvreté, l'école n'est-elle pas aussi, comment dire, quelque chose qui passe en second, après la mosquée? Vraiment, madame, je vous remercie pour votre livre Burqa, parce que j'ai été profondément heureuse de retrouver dans votre livre ce que je ressentais confusément, et ces risques de dire, oh ben, au nom de la liberté, on accepte tout et n'importe quoi. Nous avons, avec la Révolution, découvert, hein, tout en habitant là-bas, l'immense pauvreté du sud tunisien. Vous l'avez dit, et c'est vrai. Je n'ai pas découvert cette religiosité montante. Elle était présente depuis l'arrivée de Ben Ali. Je pense que votre travail est un signal pour moi, un signal d'éveil en France. On se repose trop sur les acquis. Et je crois que là, ça nous donne un énorme signal de danger. Et je vous remercie pour ça. Cette mise au pas de ces sociétés, ça a été l'enseignement. L'enseignement a été l'instrument privilégié pour dominer. On a éduqué à l'obéissance, grosso modo, hein, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a développé les facultés de bêtise, de fanatisme, de nationalisme, de tout ce que vous pouvez imaginer pour conduire un peuple à l'obéissance. Le mouvement de rébellion dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas un mouvement qui se lève casqué, démocrate, laïque, féministe.
C'est un mouvement qui est un mouvement important et intéressant. C'est celui d'ailleurs qui a tout déclenché. C'est cette capacité de dire non. Hein, comme dit Michel Foucault, la révolution, c'est dire non au souverain. À un moment donné, ces gens-là ont dit non. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi. D'abord parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'expliquer. Ils savaient qu'ils en avaient marre, qu'ils voulaient plus, qu'ils avaient le ras-le-bol. Non, voilà, ils ont dit non. En Algérie, on pourra toujours importer des ingénieurs pour construire des routes, puisque c'est les Chinois qui les font. Mais on pourra importer ni des poètes, ni des philosophes. Et qu'on a privé ces pays d'intelligence. Hein ? On a privé ces pays d'intelligence. Et que la seule manière pour ces gens, ces hommes et ces femmes, d'échapper au matérialisme primaire qui a été mis en place par les partis uniques, ça a été de rejoindre la religion pour donner un sens à leur vie. Il ne faut pas confondre les femmes et les féministes. Toutes les femmes sont sorties dans la rue, comme Brit l'a dit, d'accord. Mais les femmes en tant que mères, en tant qu'épouses, en tant que femmes, en tant que sœurs, parce qu'on a enlevé, on a violé, on a pillé, elles ont été victimes, comme les hommes des régimes totalitaires, que ce soit en Libye, que ce soit en Égypte, que ce soit au Koweït, que ce soit... Mais ce ne sont pas des féministes. Même si toutes les féministes étaient dehors, toutes les féministes étaient dehors, aux avant-gardes, mais toutes les femmes qui étaient là n'étaient pas féministes. Et ces femmes-là, elles ne sont pas descendues contre l'islam, elles sont descendues contre les dictateurs. Et ces femmes-là ne seront jamais un rempart. En Tunisie, la Tunisie, vous savez, l'égalité et la liberté, c'est des notions extrêmement modernes. Elles sont basées sur, d'abord, la recherche de la liberté singulière. Comme disait Simone de Beauvoir, le féminisme, c'est d'abord être le propre sujet de sa lutte pour les femmes, n'est-ce pas ? Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes embrigadé dans une théorie familialiste, comment on dit ? Non, pas familiale, il y a un mot, familialiste. Si vous défendez la famille, si vous défendez la religion, vous ne pouvez pas être féministe. Vous pouvez être féministe si vous revisitez la religion pour affirmer une liberté singulière face à Dieu, face à la religion, face au dogme. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. On peut lutter pour les droits des femmes, mais on peut ne pas être une femme libre. C'est exactement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, la liberté, c'est quelque chose qui nous reste à conquérir. Et la liberté, c'est toujours singulier. C'est jamais collectif. Après, on construit un mouvement collectif. Mais il faut d'abord passer par cette liberté singulière. On nous appelle toujours pour pleurer. Mais on ne nous donne jamais le droit d'exister. Et c'est ça le féminisme. C'est pas de venir pleurer avec les hommes. C'est d'affirmer une liberté singulière qui nous permet d'accéder à la pleine réalisation des droits qui nous sont parfois octroyés. Devant le danger imminent que nous sommes en train de courir aujourd'hui, fallait-il regretter de s'être engagé dans la révolution ? Fallait-il attendre encore 50 ans pour arriver à cette déglaciation ? Parce qu'un jour, il fallait passer par là. Parce que rien n'aurait arrêté les mécanismes qui ont été mis en place au moment de l'indépendance s'il n'y avait pas eu ce mouvement de... Et moi, dans ces balbutiements, dans ce refus enfin de l'autorité, je trouve qu'il y a quand même une chance et que cette chance, on doit la tenter. Parce qu'il faut que l'histoire se remette en marche. Il faut que nous entrions dans l'histoire. Il faut que nous soyons fiers d'être Algériens, que nous soyons fiers d'être Tunisiens. Pour reprendre les phrases que j'ai entendues chez les jeunes émigrés français d'origine tunisienne, qui disaient, et c'était formidable, ça vous donnait presque envie de pleurer, « Aujourd'hui, je suis fier d'être tunisien. » Voilà. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous savez, la révolution, c'est l'incertitude. Et le totalitarisme, c'est la certitude. Et cette certitude-là, on n'en voulait plus. On voulait changer. On est dans le changement. Et c'est dangereux. Voilà.